que je buvais mon 16e whisky pour oublier cette 16e petite amie qui m'avait posé un 16e lapin pour la 16e fois, le 16 à Paris dans le 16e. Un crime horrible venait d'être commis au supermarché. Oh ! Et c'est alors que cette journée qui avait commencé, pour somme toute comme toutes les autres, allait devenir une journée qui allait changer ma vie pour toute la vie. Je veux savoir qui a tué Monsieur Chambers. Et pour ça, je vais interroger toutes les personnes ici présentes. Nom, fonction. En commençant par vous, qui êtes-vous? Bonsoir, je m'appelle Liliana Cavani. Je suis nymphomane. Et je n'ai pas tué Monsieur Chambers. Nymphomane? J'ai dit votre fonction, pas votre hobby. Si je puis me permettre, c'est sa fonction. C'est une nouvelle méthode marketing de communication afin d'attirer la clientèle masculine. Inspecteur, combien de F à l'infomane? 3, comme dans Arrosoir et Percy. Ah, Arrosoir et Percy. Vous là-bas, la binoclarde, qui êtes-vous? Je m'appelle Eva Clark. Je suis gauchère par mon père. Je suis caissière. Je n'ai pas tué Monsieur Chambers. Eva est un excellent élément dans notre établissement. Je suis certaine qu'elle est hors de tout soupçon. Je ne l'ai pas quittée d'une semelle. D'une semelle? Pourquoi? Pas pour faire la rime. Oh, vous êtes fort, chef. Et toi, la petite barbue? Présente-toi. Je suis Aude Parel. Je suis syndicaliste. J'adore revendiquer. Dans un bar, je ne demande pas une bière, je la revendique. Et barman, si tu savais, une bière, et barman, si tu savais, une bière où je me la mets. Au cul, au cul, aucune hésitation, allez les caisses, t'es foutu, le houblon est dans la rue. Je n'ai pas tué, monsieur Chambers. Je la matraque? Non, personne ne matraque personne ici. Enfin, sauf peut-être du bruit. Et mammouth écrase les proutes. Oh, je me sens bien, j'improvise un peu. Et vous, qui êtes-vous la grosse? Je m'appelle Lynn Renaud. Oh, ça tombe bien, je prends une Clio. Vous vous contentez-vous de noter, vous? Et quelle est votre fonction, chère Lynn? Je suis chef caissière, et je n'ai pas de cabane au Canada, et je n'ai pas tué M. Chambers. Oh. À moi, nous présente. Je suis Mallory Moquet, inspecteur à la brigade criminelle, et je suis celui qui a tué M. Chambers. Oh, je plaisante, bien sûr. Vous imaginez, si c'était moi, je serais obligé de me faire avouer moi-même. Dis donc, tu as tué M. Chambers? Mais non, tu veux un coup d'annuaire? Pourquoi tu veux te marier? Inspecteur, je dois noter tout ça. Mais non, enfin, c'est une boudade, bougredane. Alors, combien de mecs ça boutade? 7. 7. Mais je ne suis pas qu'un simple policier. Je suis également synergologue. À vos souhaits. Un mouchoir? Non, merci. On me défend? Non. Oh, c'est bon dans le foin? Non. La synergologie est une science qui permet d'étudier le comportement non-verbal de chaque individu. En d'autres termes, le corps ne ment jamais. Oui, c'est comme ça que l'inspecteur peut voir, ressentir les gens qui mentent. Il approfondit. Laissez-moi si terminer, commissaire. Excusez-moi. Et c'est grâce à cela qu'il approfondit son enquête. Vous êtes synergologue vous-même? Non, diabétique. Ah, vous en savez des choses, inspecteur, vous êtes fort. Mais ma vocation d'inspecteur ne me vient pas là, non. Alors que maman trouvait papa avec le boulanger, monsieur Lepin, je lui disais, mais maman, pourquoi tu trompes papa avec Lepin? Elle me répondait, à cause de mes miches. Mais je disais, mais pourquoi? Oh, t'en poses trop de questions. T'es quoi? T'es de la police? Et c'est pour ça que je vais savoir, en deux temps, trois mouvements, qui a tué monsieur Chambers. On a peur, hein? Moi, personnellement, non. Bon, je vais vous poser une série de questions et vous allez devoir me répondre du loto. Hein? Du tac au tac. Je vais commencer par cette question. Attention, la voici. Où étiez-vous? Quand? En Normandie. Combien? 3. 3 dans l'un? 3 dans l'aube. Mais 7 au soleil. 7 à 3? Ah bon? Mais quand? En Normandie. Ouh, qu'il est vilaine. Qu'il est vilaine en Normandie. Et pourtant, c'est clair comme de l'eau de source, hein. Monsieur, par un petit procès des petits bourgeois, nous obliger à prendre nos départements. Oui, Jésus, Marie, Joseph,
Mais quand, dans quelle situation géographique sommes-nous? Inspecteur, on a trois nouveaux suspects, là. Plaît-il? Oh non, 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 non. Tu restes chargé, t'es un inspecteur de police, hein. On dit pas plaît-il, l'inspecteur de police, mais pas plaît-il. L'inspecteur Moquet ne peut pas dire plaît-il, Axel. Bah non, c'est trop bourgeois. Bah, Axel, t'es un flic, bordel. J'ai le droit de vous insulter, alors. Oui, oui. Alors, les pécores, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous si vous alignez trois phrases, les pecnos. Ça vous va comme ça? Oui, alors donc, on a trois nouveaux suspects. On a un Marie, un Jésus et un Joseph. Sûrement des Portugais. Moi, j'aime bien les Portugais. Ah, moi, ils me foutent la trouille, hein, avec tout leur traité, hein. On se croirait à Nice. Quoi, Nice est au Portugal? Mais il a combien de poils à Portugal? Une touffe, un bécile. Ah, une touffe. Arrêtez, arrêtez, vous me rendez folle. C'est moi qui l'ai tué. Le portugais? Mais non, monsieur Chambers. Ah, vous parlez de monsieur Chambers? Oui. Ah, autant pour moi. Attendez, je comprends plus. Hein. Qui a tué monsieur Chambers? Ah, moi. Bon, on arrête ce sketch débile. L'affaire est close. Bon, on va faire une petite roteuse alors. Hein. Non. On va pas boire une petite roteuse. On va se désaltérer autour d'une bonne bière, hein. On va pas se prendre une petite roteuse. Mais vous pouvez me prendre, moi. Parce que c'est moi qui ai tué monsieur Chambers. Mais pourquoi? Parce que, voyez-vous, c'était un homme compliqué, avec une vie professionnelle envahissante, une vie sociale inexistante. Et le fait qu'il soit encore vierge m'a donné envie de lui faire l'amour. Mais ça lui a pas plu. Il a voulu porter plainte. Et répandre la rumeur comme quoi j'étais une fille facile. Alors que c'est faux! Du coup, j'ai cherché un moyen de l'éliminer. Je l'ai attaché. Et je l'ai obligé à regarder ce film, Matrix. Vous voulez dire Matrix, un film sans budget. Et du coup, son cœur a pas tenu. Ah, crise cardiaque. Oui. Non, il a pas tenu, il est tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Ah, c'est Voltaire qui a tué monsieur Chambers. Mais il est où, Voltaire? Bah, Claude Fernet. Bon. Chère Liliana, je me vois au regret de vous mettre aux arrêts. Quant à vous autres, vous pouvez rejoindre vos foyers respectifs. Optique 2000. Garde à vue, foyer, top chef. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, hors de ma vue. Tout le monde, hors de ma vue, foutez-moi le camp. Tout le monde, hors de ma vue. Top chef. Top. Toi aussi, la grosse. Je savais que durant cette enquête, j'allais découvrir l'amour. Comment avez-vous sus? Non, vous avez tendance à oublier que je suis synergologue. Quand vous vous êtes gratté votre nez droit avec votre coude gauche, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie... Prends-moi! Prends-moi, t'es la licorne, prends le cheval au galop dans les Bermudes. Prends-moi, prends-moi, t'es le cheval, prends la licorne au galop dans les Bermudes. Prends-moi, telle la feuille d'un pot se pose délicatement sur le bureau du trésor public. Oh, c'est bon, ça sent Paul. Non, Mallory. Mallory, donne-moi ta grosse bouche. Mais j'aimerais bien vous embrasser un petit peu plus tard, moi. Mais quand? En Normandie.